un coup de foudre. Ils étaient loin d'être destinés à tomber amoureux, mais voilà maintenant 20 ans que Florian Zeller, réalisateur de retour en salle ce 1er mars avec The Son, et Marine Delterme, célèbre interprète d'Alice Nevers, Saïm. En 2016 dans les colonnes de Paris Match, l'actrice que 10 ans sépare de son époux s'était confiée sur leur rencontre, digne d'une comédie romantique. C'était au début des années 2000, alors que le futur metteur en scène était un journaliste d'une vingtaine d'années. Le magazine L'Officiel l'avait chargé d'écrire le portrait de la comédienne, alors dans sa trentaine. Je faisais une exposition de sculptures sur le visage. Je me souviens lui avoir dit, « Si vous aimez l'expo, rappelez-moi. Sinon, ce n'est pas la peine », s'était-elle souvenue avec amusement, avant d'ajouter, « Par chance, il a aimé et ne nous sommes plus quittés. » Dans cet entretien, Marine Delterme avait fait une sublime déclaration à son compagnon, admettant que sa vie avait évolué grâce à son amour. Avant lui, la vie m'avait pas mal bousculée et j'étais dans le chaos. Florian m'a transformée et stabilisée. Il s'est donné un sens aux choses, avait déclaré la mère de deux garçons. Supérieure à Florian Zeller et Marine Delterme, toujours aussi fusionnelle, après 20 ans d'amour il nous a ramenés à la vie, Marine Delterme reconnaissante envers Florian Zeller célibataire avec un enfant en bas âge né de ses amours avec Jean-Philippe Écoffet, Marine Delterme n'imaginait alors pas qu'un jeune homme dans la fleur de l'âge pouvait l'attirer vers le haut. En janvier 2022, l'actrice était à l'affiche de Manipulation, un drame qui mettait en scène une femme sous l'emprise d'un pervers narcissique. À cette occasion, elle avait révélé dans Paris Match avoir elle-même été manipulée par un homme toxique par le passé. Sa relation avec Florian Zeller était donc une sorte de libération pour elle. Il nous a pris à bras le corps, mon fils et moi. Si est-il incroyable. Ce jeune homme nous a quasiment sauvés, si est-il l'âme la plus noble que j'ai rencontrée. Il nous a ramenés à la vie, avait-elle assuré, remerciant au passage l'homme de sa vie pour son soutien sans faille. En 2008, le couple a accueilli un fils, Roman. Et si est-il en 2010 que ces deux amoureux du théâtre se sont dit oui. Depuis, leur très discret tandem file le parfait amour. Aux cérémonies des Césars 2022 et des Oscars 2021, Marine Delterme était apparue extrêmement émue alors que son mari était récompensé pour The Father, sa propre pièce portée au cinéma avec Anthony Hopkins. Crédit photo, Zuma Press.